Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitar Vlog consacré aujourd'hui au jeu en octave. Donc, technique plus ou moins popularisée par Wes Montgomery. Donc pour ceux qui en fait ne savent pas encore, à partir de la corde de sol et de là, en fait l'octave sera placée en fait deux cases, d'accord, décalée de deux cases en sautant une corde, ok. Et en partant de la corde de Ré et de Sol, en fait, ce sera décalé de 3 cases, en fait. Alors, donc, celui qui a popularisé vraiment ça, c'est Wes Montgomery. Tout le monde le fait plus ou moins, mais non, hein, y a Benson, c'est aussi bon, dans le jazz. Après, tout le monde utilise plus ou moins cette technique-là, dans les trucs funky. Dans les solos de hard rock qu'on l'entend des fois, hein, c'est utilisé dans des riffs ou ça aussi. Donc, alors, moi c'est pas un truc que j'ai vraiment beaucoup bossé, et je trouve que comme dans le cas par exemple de Wes Montgomery, ce qui est intéressant c'est que c'est ce jeu au pouce là, il fait ça au pouce. Donc, quand vous allez commencer à travailler ça en fait, vous allez voir que ça va vous faire une ampoule. Je sais pas si vous la voyez là. Moi, comme j'utilise pas souvent cette technique, elle se refait souvent l'ampoule. Hein, voilà. Mais bon, voilà. En fait, je pense qu'il faut travailler parce que ça donne une qualité de son en fait. Le fait qu'il y ait de la corne au bout du pouce comme ça. Par exemple, vous voyez que Harry Johnson, des fois, il joue au médiator et il lâche le médiator et il joue au pouce comme ça. Hein. Ça donne un... Alors, il y a... Dans cette technique là, ce qui va être en fait difficile et intéressant, c'est le déplacement, puisqu'en fait c'est exactement la même chose qu'on déplace en fait. Et c'est la difficulté du truc. Alors, pour ceux qui font du jazz, vous avez qu'à faire vos thèmes en octave. Hein. C'est pas évident. Et ben sinon après vous prenez une gamme pentatonique, admettons par exemple do mineur hein, ici, ou une gamme tout court, ou des phrasés. Pareil, il y a aussi la notion de l'utilisation du glissé en fait. Par exemple, dans un cas, j'essaye d'être assez large pour tout le monde, que vous fassiez du jazz ou du rock ou de la soul. Ou... Bon, si vous faites du métal, ouais, vous pouvez jouer médiator, donc ça au médiator, hein, il suffit de bien étouffer les cordes. Là, je gratte toutes les cordes. Hybride picking, hein. Mais à chaque fois ça donne un son différent. Ou avec les deux doigts comme ça, hein, ça donne encore un son différent. Okay.
Donc là, donc pour en revenir à ce qui est du swing, par exemple, ceux qui font du swing, je vous conseillerais, comme on avait vu, souvenez-vous, dans le mélanger, en fait, les gâteaux et... c'est le vlog, je sais plus combien. Les gâteaux et aller-retour, en fait, je vous expliquais que, par exemple, quand on fait du swing, admettons si j'ai cette phrase, enfin, ou cette partie de gamme qui fait... Je vous disais de faire une liaison du contre-temps vers le temps. Et ben là, pareil. Glisser du contre-temps vers le temps. J'attaque, donc j'attaque parce que c'est la première note, contre-temps, contre-temps, temps, contre-temps, temps. C'est vraiment intéressant, c'est le déplacement. Donc moi, ce que je vous conseillerais, chose que j'applique à moi puisque je ne l'ai pas vraiment travaillé, en fait c'est presque un cours à moi-même que je me donne. Donc je me dirais par exemple vous forcer en fait à c'est vraiment vous entraîner en fait à vous déplacer en fait, c'est ça qui va être intéressant. Et notamment si jamais vous avez, c'est là qu'en fait les plusieurs doigtés rentrent en compte. Est-ce que vous voulez changer de partie ou là do mi bémol ou de mi bémol sur la corde à partir de la corde de la mi bémol à partir de la corde de ré ou mi bémol à partir, vous voyez. Voilà, il faut s'entraîner en fait à bien enchaîner, c'est comme si c'était des accords quoi. Et ce truc du pouce, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, quoi. Thank you.
Après, comme je vous dis, pouce, doigt, les deux doigts, hybrid picking ou carrément Mediator, ça après, c'est ça, à chaque fois un son différent. Hein. Écoutez par exemple. Voilà la magie de la guitare quoi. Donc, prenez quelque chose, une phrase que vous aimez bien ou un thème et faites-le en octave et faites-le à plusieurs endroits, quoi. Par exemple, là tout à l'heure, je l'ai fait sur Billy's Bounce. Il y a des thèmes, bon là c'est bon, je sais pas si le thème s'y prête bien, mais il faudra que je le travaille, c'est intéressant. Je ferai un truc dessus parce que vraiment il y a quelque chose à faire et on arrive à voir avec le pouce deux sons différents. Je vous montrerai comment, parce que par exemple je regardais Jeff Beck joue beaucoup comme ça et ça, franchement ça tue. Les gars, je vous dis à demain pour un autre épisode du vlog. Désolé pour ceux qui suivent, désolé hier j'ai pas pu poster parce que bébé, travail, date, là je rejoue ce soir donc il faut que je me dépêche de faire une autre vidéo pour pas trop être en retard au niveau du vlog. Les gars, vous êtes plus de 2000, ça y est, depuis hier matin je crois. Vraiment, je voulais vous remercier pour votre soutien. Je peux pas répondre à tout le monde sur la page Facebook. Ça, bref, c'est pas possible. J'ai désactivé le gestionnaire de page parce que c'est pas possible. Il faisait que faire le téléphone toute la journée. Donc, merci. Je vous dis merci du fond du cœur, vraiment. Je prépare deux nouvelles choses. Le vlog continue. Le vlog continue comme en fait, je rappelle à certains, parce qu'il y en a certains qui me posent des trucs dans les commentaires. Le vlog, c'est pas des cours, c'est pas des leçons réellement. C'est pas un cours, c'est un article, une réflexion, une pensée du jour. Le principe du blog, c'est ça, quoi. C'est écrire un article et là, le vlog, c'est en vidéo, en fait, voilà. Donc, des fois, j'en fais des plus ou moins longs, des fois, c'est des leçons, etc. Mais c'est pas réellement un cours, donc pour ceux qui sont un peu déçus à ce niveau-là, je suis vraiment désolé. Les cours arrivent, je vous le dis, mais par contre, ce sera sur le site, voilà. Des vrais cours, notamment les cours... ça va être bien, voilà. Donc j'attends, pour lancer le site, que le site soit vraiment classe, que vous puissiez vous éclater dessus. Tous les vlogs seront recensés avec des articles écrits. Avec ma femme, on est en train de le construire, c'est pour ça que ça prend énormément de temps. Plus les enfants, plus notre boulot et notre vie. Ça y est, moi, ma vie sociale a touché le fond. Ça, il était déjà pas bien haute, mais alors là, c'est fini. Donc, non, je plaisante. Hein. Mais voilà, et puis plus mon travail, moi, parce que j'ai envie de progresser, comme je l'ai dit à une personne, je sais plus qui c'est qui m'avait mis un truc. Moi, il faut que, voilà, mon but, c'est de progresser, moi. Voilà, donc, pareil, progresser sur Cubase, c'est pour ça que je poste beaucoup de backing track, etc. Parce que, il n'y a que comme ça, c'est en faisant les choses qu'on apprend à les faire, quoi, voilà. Allez, les gars, je vous dis à demain, bye.